C'est marrant, j'ai cette musique dans la tête. Et salut les amoches! Bienvenue dans ce nouveau stream de The Big Gamaski. Aujourd'hui, on retourne en 1979, hein, 19 comme disait Yves Mourousi à l'époque. Et donc, on va se faire encore du shoot vintage. Aujourd'hui, on va aborder un jeu un peu particulier, puisqu'on pourrait le confondre avec un autre. Vous savez qu'en 79, Namco nous a sorti Galaxian. Et il se trouve que de petits malins nous ont sorti un jeu au nom étrangement proche, puisqu'il s'appelle Galaxia. Vous faites juste péter le N à la fin. Est-ce un clone? Est-ce qu'il en vaut la peine? Est-il sexy à point? On va avoir la réponse tout de suite. Alors, je confirme que c'est un clone, puisqu'on n'a même pas un nom d'éditeur qui s'affiche au démarrage du truc, et que c'est rigoureusement la même chose. J'espère que les bruits vont fonctionner, ce serait vachement bien, enfin. Ok. Est-ce que tout le monde a compris le gameplay? Est-ce que tout le monde a bien saisi que le joueur, il est en bas? Bien. Est-ce que tout le monde a bien saisi que la menace était en haut? Bien. Bon, bah, je pense qu'on est bon là. Allez. Est-ce qu'il va être mieux que le Galaxian? C'est la grande question. Alors apparemment, le son s'est ripé, les amis. Vous ne l'aurez pas. Ah. Ouh. Alors les petits malins, pour pas qu'on repère le jeu copié de trop loin dans la salle d'arcade bruyante, ils avaient changé le son quand même. Mais on voit que en fait sur la ROM, c'est une resucée directe de la ROM de Galaxian. Ouh là là, puis avec l'émulation, la vitesse de tir. Parce que, bien entendu, à l'époque, la stratégie pour bien scratcher la gueule du joueur, c'était non seulement de le laisser tirer un seul tir à la fois, mais en plus de lui foutre un vaisseau qui n'avait pas comme propriété d'être particulièrement rapide. Donc entre le fait d'attendre que le tir raté, parce qu'un tir raté, c'était quand même cher payé, en attendant que le tir raté sorte de l'écran, eh ben vous étiez un petit peu à poil et vous n'aviez que l'esquive pour vous rattraper. Puisque tir autant qu'alien vous arrivant sur la gueule, était une menace que vous ne pouviez pas annihiler. Ah non mais c'est moche. Vous savez quoi? On va se faire un stream 2 en 1. Juste derrière, je vous mets le Galaxian, quoi, parce que vous pigerez pourquoi. La copie, c'est bien, mais qu'on s'est inspiré. Là, on est dans le cadre d'une copie purement commerciale pour niquer la gueule du monde. Hein. Donc, je vais arrêter le massacre tout de suite. C'est pas très respectueux pour Namco. Allez, fais-moi mourir, qu'on en finisse. Yeah, fuck, yeah! Bim bam boum! Allez, je sors. C'était donc Galaxia, qui est donc sorti en 79, la même année que Galaxian, et on va avoir le Galaxian tout de suite. Comme ça permettra de jauger les différences. Alors, il faut juste que je me cale là. Mon stream sur la bonne fenêtre. Et tout va se passer de la meilleure façon dans le plus magnifique des mondes. Est-ce que tu me l'achètes, petit scarabée? Hop, éteindre, allumer. Normalement, ça marche comme manip. Gauche, droite. Hop, hop, ça ne marche pas. Il va falloir sortir et que je meuble encore. Je vais être obligé de chanter donc cette magnifique chanson que j'ai dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Dun, 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 dun. Est-ce qu'on va nous l'accorder sur ce coup-ci? Rien n'est moins sûr. Galaxian, deuxième. Yeah, fuck yeah! Alors nous voilà maintenant sur l'original. Bon, on n'a pas plus le nom de l'éditeur. Alors ça, je vous l'accorde, les amaches. Les aliens sont en grève, donc pas de vaisseau extraterrestre, plus personne n'est là. On ne peut que pleurer devant ce fond d'étoiles au firmament, maman. Et nous avons des menaces proférées par les Galaxians qui viennent se présenter dans l'ordre, avec leurs valeurs de points respectives, quoi. Et là, on sait qu'on va affronter du gros.
Et si c'est ému à la bonne courtoisie de nous accorder, merci Namco, de nous accorder le son, on devrait se régaler un minimum. C'est qui part? Une petite démo avant? Je crois qu'on va attendre longtemps pour la démo. Et voilà. Psych, psych. Oh, je me rappelle des sons, mais par cœur. Ah là 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 là, le bouffe-pièce. Donc, même principe que ce que j'ai dit précédemment. Vous voyez, c'est exactement le même programme, à part qu'il est vachement plus joli. Faut dire ce qu'il est. Et qu'en plus, vous allez voir que les sons, s'ils y sont, eh ben, ils sont vachement mieux. Yes! Fuck yes! Oh, je vais monter le son. Je préfère crier par-dessus ça, parce que le son de Galaxian, c'est quelque chose. Allez, viens mon kiki, on va rigoler. Yes! Ça. Alors là, vous ne voyez pas, je n'ai pas de retour de caméra. Non, mais je rigole trop parce que c'est. En fait, j'ai les poils des avant-bras qui se hérissent, quoi. J'en ai à ce point-là. Oui. Vous imaginez pas la quantité de thunes que j'ai lâchées dans cette salope de barbe. Et ce que j'ai dit une précédente fois dans un autre stream, c'est. Oui. Oui. Mettez le son très fort. Mettez le son super fort. Il y a un truc pour faire le son au fond, mais ça fonctionne trop bien. Ce battement qui accélère tout connement, ça vous fait la moitié du jeu en fait. Ça vous fout la pression. C'est pour ça que Galaxian, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Parce que tous les gens qui ont joué à ça se rappellent de deux choses. C'est ce son qui monte progressivement. Et pourtant, c'est pas une partoche, quoi. C'est pas. T'achètes pas l'OST de Galaxian, quoi. Et puis, un autre truc, j'essaie de vous le faire voir quand même, c'est quand il reste plus qu'un alien à flinguer à l'écran. C'est ce qu'on appelle la punition de l'OS. La punition par la pénibilité, non, je crois. Je suis pas bon, évidemment. C'est incroyable. Pas bon, on n'entendra jamais le son de la mort qui tue à la fin. Parce qu'il faut savoir que, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, vu que vous avez un tir de merde unique, on ne verra pas ça. Vu que vous avez un tir de merde unique, quand il reste plus qu'une bestiole à l'écran, elle arrête pas de tomber de l'écran, elle arrête pas de faire sa mélodie que vous avez entendue bah, quand il descend de l'écran. Je vais essayer de vous le faire quand même pour le principe, c'est important. Ça ne dérange pas d'y rejouer parce que. Je m'en fous. Quoi, la hitbox c'était pas le museau du vaisseau. Putain, mais c'est vraiment de la merde ce jeu. Normalement, je crois qu'il y a une touche pour ralentir mes déplacements, que je puisse me faufiler entre les tirs. Alors le truc rigolo aussi, c'était que les. C'était particulièrement énervant pour le reste de la famille qui vous accompagnait, que ce soit dans un bar, ou une fête foraine, ou je ne sais quoi. Qui en général, comprenez vite qu'il fallait se tenir loin de l'appareil parce que ça va manger le chou, tout simplement. Non, non. Comment il est énervé, lui. Non, mais jamais non, il est énervé. Ah, je suis passé entre les tirs et je me suis pris l'autre con, là. Allez, le dernier, pour le rire. Parce que ça, c'est. C'est super violent. Et c'est parti. Et là, voilà. On n'entend plus la musique de fond, vous n'entendez plus que les qui se répètent indéfiniment. Je vais pas vous faire un stream de 5 heures juste pour ça, mais franchement, essayez-le ce jeu. Bah, déjà, vous avez des parents, je pense, donc il est fort probable qu'ils puissent vous faire mettre la main dessus et vous allez quand même rigoler parce que vous pourrez vous foutre de la gueule de vos parents. Et eux pourront se foutre de votre gueule qui n'est pas meilleure que moi d'ailleurs, vous le verrez tout de suite, parce que c'est quand même du jeu vintage et que la jouabilité était très très basique. Ceci dit, c'est notre Galaxian d'amour. Et ce jeu, on peut que l'adorer et craquer dessus. Parce qu'il y avait tout. Le scrolling du fond,
les petits aliens avec leur gueule plus ou moins marrante, des petits patterns qui commençaient à se dessiner sur les déplacements, donc les boulettes, et un gameplay qui fonctionnait du feu de Dieu, bien que totalement basique. Voilà, bah sur ce double shot, vu qu'on aura fait Galaxia, la copie, et Galaxian, l'original, je vous abandonne, je vous invite à me suivre sur Twitter. Vous aurez plein de petites infos en plus qui pourront peut-être vous intéresser en tant que gamer. Et puis on se retrouve demain à 19h pour un nouveau stream. Je sens que ça va encore être une antiquité, on n'en est pas sorti de ces affaires. Allez, je vous laisse en musique. Dun, 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 dun.